Nous sommes au studio CBE où vous nous accueillez, Joseph Schiano di Lombo, pour parler de votre premier album instrumental, Musique de niche. Merci de nous accueillir. Après avoir essentiellement présenté des reprises au piano, vous vous tournez vers de la composition pure, de morceaux dédiés aux chiens. Alors pourquoi ce changement, cette redirection soudaine, qui plus est dans le cadre d'un premier album ? D'une certaine manière, on a l'impression que vous tournez le dos au public humain. Est-ce que je me trompe ? Je vois. Et c'est précisément ce qui marque, hein, d'ailleurs, c'est cette empreinte de la musique de Angelo Badalamenti, de Twin Peaks, de tout cet univers du téléfilm. Et d'ailleurs, je me suis demandé si ces influences étaient venues a posteriori. Est-ce que vous avez adopté un protocole particulier ? Oui, oui. Mais ce qui m'amène à vous demander, avant de vous laisser aller jouer au piano, quelle forme prendra la suite, si vous avez déjà une idée ? Merci Joseph, je vous laisse vous installer au piano pour nous jouer un petit morceau. Est-ce que t'as chaud ? Non, ça va, je suis rouge. Non, mais ça brille un peu, mais après je me rends pas compte si c'est parce que c'était du piquing. Non, ça va, je crois pas que je... Là, j'ai enlevé un peu le gras.